Ce n'est pas parce qu'elle possède des titres royaux que la princesse Charlotte les utilise. Inscrite à la Lambrook School au sein de la classe IR 3 SPLE1-BA en France, depuis septembre dernier, la petite fille tente de se fondre dans le paysage et de vivre une enfance la plus normale qui soit. Anciennement connue sous le nom de Son Altesse Royale Princesse Charlotte de Cambridge, la petite sœur de George se fait désormais appeler Son Altesse Royale Princesse Charlotte de Galles depuis que son père est devenu le prince de Galles à la mort de la reine Elisabeth II. Pourtant, Kate Middleton et William ont décidé de remiser ces titres royaux au placard lorsque leurs enfants sont à l'école. Ainsi, leur fille se fait appeler Charlotte Cambridge ou Charlotte de Galles selon un article du Mirror publié ce samedi 29 avril. Un choix qui vaut également pour ses deux frères, George et Louis. Avant eux, William et Harry utilisaient la même méthode. Ainsi, la petite fille fait honneur à la tradition. En effet, dans un article publié par Hello, en février dernier, il était indiqué que les membres de la famille royale n'utilisaient pas de nom de famille, mais simplement leur prénom ou leur titre royal Son Altesse Royale. Ils peuvent également être connus sous le nom de leur maison, en l'occurrence, la maison Windsor. Supérieure à Kate ou William, à qui ressemble Princesse Charlotte? Charlotte a-t-elle des surnoms? Lors de sa naissance, le 2 mai 2015, la petite fille a hérité du nom de Charlotte Elizabeth Diana, en l'honneur de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère. Son prénom, quant à lui, est un hommage à son grand-père, puisque Charlotte est la forme féminine de Charles. Au-delà de son prénom, la princesse se fait aussi appeler par différents surnoms. En référence à son caractère bien trempé lorsqu'elle était encore à la crèche, la Wilcox Nursery School, Charlotte était qualifiée de princesse guerrière. Du côté de ses parents, Charlotte est appelée Lottie par sa mère, alors que William l'appelle Mignonette, d'après un article du Mirror. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, pas photo Abaca. Step a goddess.